Donc tout le monde drague femme là, mais la tête, ça là quand tu veux draguer. Tu ne connais pas la fille là. Arrête. D'abord sors de ma voiture. C'est quoi cette connerie là? Moi pas et puis tu me dis. Non, non, pas plus comme ça. Ça fait que je veux pas te parler comme ça. C'est la là dont tu parles là. On a écouté le milieu pour acheter ça. Ma poule, moi, non, mais. Non, mais embêtement, je n'ai pas ces choses. Mais c'est toi. Depuis que toi tu me parles comme ça. Mais c'est toi. C'est à moi tu as fait ça. C'est toi. D'abord, c'est papa. Viens prendre ça. On dit dans la vie, le poulet boit de l'eau, mais le poulet n'épuise pas. Ta fille là qui vend Bissab là, pourquoi elle n'est pas venue aujourd'hui? Elle a trouvé Marie. Hein? C'est qui celle-là que tu as tapé encore? Pardon. Ah, tu la vois pas, la belle. Bonsoir. Oui, salut. Ça va, comment tu vas? Je vais très bien. S'il vous plaît, ne perds pas votre numéro. Mon numéro? Oui. Pour faire quoi avec? Aïe. C'est quoi, toi, je dis drague femme, tu la connais pas? Non, excusez-nous, hein. Il blaguait quoi, excusez-nous. Excusez-nous, madame. Comment je blague? Excusez-nous. Non, en fait, je n'ai pas compris quoi. Madame, excusez-nous, il blaguait. C'est vrai ton numéro. Il blaguait, excusez-nous. Comment tu peux blaguer avec moi? Toi, tu m'appelles et tu me dis que tu blagues avec moi. Moi, je n'ai pas blagué, c'est lui qui blague. Je veux ton numéro pour t'appeler, on va discuter. Toi, tu connais. Je ne donne pas mon numéro à des petits comme vous. Je suis sugar mommy. Toi, on te dit que tu blagues, au lieu de dire que tu blagues là. Tu vois ce qu'il vient de te dire là, tu ne la connais pas. Elle est mariée. Hein? Tu ne sais pas. Donc tout le monde drague femme là, mais la tête, ça là quand tu veux draguer. Tu ne connais pas la fille là. Si moi j'étais gâté là, moi j'allais manger ça dans le quartier ici. Aïe. Hein? Tu connais le délégué là? Oui. Tu sais que le délégué mange ça? Délégué de quartier là? Il mange ça. Même son fils là qui joue ballon ici là. Le fils là aussi mange ça. Le petit tape ça fort. Aïe. Attends. Tu ne comprends pas quoi? C'est ça. Comment tu as fait pour trouver toutes ces informations? Continue. C'est quoi ton problème même? Continue. On peut plus vous dire. Regarde-moi ce qu'on voit. Tu es là, papato, tous les jours, papato. Hein? Tu n'es pas honte. Viens, tu parles. Je voulais te dire la fille qui vend Bissab là. J'ai oublié ta femme là. J'ai vu ta femme à l'auberge hier. Il est parti. Regarde le pauvre là. J'ai dit, tu ne peux pas porter ça. C'est ça, ma vieille porter. C'est ça, ma vieille porter. Tu ne peux pas porter ça. Tu veux continuer? J'ai dit, tu ne peux pas porter ça. Tu veux recommencer? Tu veux recommencer? Arrêtez. Ça fait mal. Oh, allez vous soigner à l'hôpital. Il va aller faire aïe. On t'a dit de laisser tranquille et tu continues. C'est pas l'autre dame là, sa fille a accouché. Et ils m'ont appelé de venir voir si l'enfant là ressemble à son père. C'est ça, c'est là-bas que je partais pour aller voir. Ton papa Toya là, c'est trop, c'est pas bon. Si tu veux pas m'attacher le truc là, faut me dire. Comment? C'est pas ce que tu fais. Hein? Tonton, vous êtes là. Mon mari a encore commencé. Il a encore commencé à aller à la bagarre. Mais cette fois-ci, je vous jure que ça va mal se terminer. Mais si vous allez vous prendre en tant que témoin, vous allez me suivre. Et témoin des faits, parce que cette fois-ci là, ça va mal se passer. Attends. Madame, on vous a envoyé vers moi. Mais je vous ai fait quoi? À cause de vous, regardez. Regardez ma tête. Mais vous êtes venu encore pour faire quoi maintenant? Pour un témoin des faits. Témoin des faits? Oui. Attendez. Aide-moi à prendre le truc là. Je vais casser la tête. Attends, non? Attends. C'est quoi? Et tu sais que? Tu sais quoi? Tu veux encore faire papa tout? Tu dis attends. Viens.